Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Blue Sport pour tout connaître des trois matchs de Super League de cet après-midi. Après-midi qu'on a passé en compagnie de Claude Gross et Lionel Lourfa qui sont toujours là, prêts à nous livrer leurs analyses. On a débuté notre après-midi avec le duel entre Saint-Gall et Lucerne, une rencontre que nous résume Alain Rohrbach. À la lutte pour la troisième place, Saint-Gall et Lucerne ne vont pas devoir jouer masqué en ce week-end de carnaval. En effet, deux points séparent les deux équipes au moment du coup d'envoi. Et comme souvent, Saint-Gall prend le meilleur départ. L'on joue depuis un peu plus de 10 minutes. Moment que choisit Jérémy Guimeneau pour lancer la rencontre. Sa frappe est contrée par le bras de Friedeck et Monsieur San, appelé par la VAR, indique le point de pénalty. Jérémy Guimeneau, promu tireur saint-gallois, transforme. Aucune chance pour le jeune Loretz, une nouvelle fois titularisé en l'absence de Marius Müller. Au passage, dixième but inscrit par Saint-Gall dans le premier quart d'heure. 1-0 pour Saint-Gall, les Lucernois ne sont pas abattus pour autant et répondent quelques minutes plus tard. Klidje part affronter Ziggy, sa tentative de dribble est contrée par la main du portier saint-gallois. Le hic, c'est que l'intervention a lieu en dehors de la surface de réparation, carton rouge et Saint-Gall va devoir évoluer à 10 durant plus de 70 minutes. Lukas Vatkoviak, à peine entré en jeu, va devoir capituler suite à un corner joué à deux. Lucerne égalise par l'intermédiaire de Martin Friedeck qui inscrit son premier but de la saison et qui se rachète de sa main baladeuse qui a conduit au pénalty saint-gallois. On s'en souvient. Le début de la deuxième mi-temps va être à l'avantage des Lucernois. Les hommes de Mario Frick vont se créer plusieurs occasions. C'est donc assez logiquement qu'ils prennent l'avantage peu après l'heure de jeu. Une action collective magnifiquement conclue par Niki Beloko. Au passage, l'on apprécie l'excellent service signé Pius Dorn. Réduit à 10 dès la 20e minute, Peter Seidler a néanmoins fait un choix courageux en maintenant ses joueurs offensifs sur la pelouse. Quand même, ça n'a pas toujours fonctionné. Alors déjà, en première mi-temps, les espaces étaient trop grands. Alors on voulait continuer avec un 4-3-2. Oui, alors on avait trop d'espace. On a quand même gardé ce système. Bon, on encaisse le deuxième but. Après, c'était le bon système quand on était mené. On était même capable de faire un pressing un peu plus haut. Mais quand même beaucoup de réussite. Alors là, aujourd'hui, il faut être honnête. On avait beaucoup de réussite pour faire ce point. Ce point, Saint-Gall va l'arracher sur penalty une nouvelle fois suite à une intervention de la VAR. Cette fois-ci pour signaler une faute de Beka sur Görtler. Jérémy Guimeneau sorti, c'est Peter Zeidler qui désigne le tireur. C'est Matej Maglica qui va se présenter. Il s'élance et égalise. Premier but de la saison inscrit par le défenseur croate. Mais alors qu'on pensait ce match fou terminé, les deux équipes vont se procurer une balle de match dans les arrêts de jeu. Beka tout d'abord qui voit sa reprise de la tête sauvée sur la ligne par Isaac Schmidt. Et Jordi Quintilla ensuite qui tire de peu à côté des buts de Loretz. Au final, 2-2 au terme d'un match animé, mais qui n'arrange et ni ne lèse personne. Ouais, ça arrange personne, un match qu'on a suivi en début d'après-midi, Claude. On l'a relevé quand même, cette équipe saint-gauloise courageuse, même à 10 contre 11. Oui, parce qu'ils ont continué à jouer devant leur public. Hein, ils ont continué à pousser, ils y ont cru, même on était au mené, ils sont revenus au score. Ils ont même poussé à la fin pour essayer d'aller marquer le 3-2, ça montre l'état d'esprit de cette équipe, ils n'ont rien volé. Lucerne a fait également un bon match, hein, donc c'est à relever et c'est à mettre au profit aussi de Saint-Gall. Au-delà de ça, est-ce que Lucerne n'a pas été mal payé dans cette partie ou est-ce qu'ils peuvent s'en vouloir aussi? Ils ont eu quelques occasions du 3-1, hein, parce que Lucerne s'est projeté aussi pas mal en attaque, en prenant quelques risques aussi en défense. Donc ils ont eu peut-être l'occasion de faire le break, mais je pense que de faire match nul au Kibung Park, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt un bon résultat. Cette équipe de Lucerne, sauf erreur, est toujours invaincue en 2023. Ouais, invaincue, mais stat étonnante, Claude. 4 pénaltys concédés en 3 matchs et 4 pénaltys encaissés par le pauvre Pascal Loretz qui remplace Müller. Ouais, ben, il va falloir travailler les pénalties pour le jeune gardien. C'est le seul but qu'il a pris. Il n'a pas de réussite. Non, mais c'est vrai que ça, c'est incroyable. 4 buts, 4 pénalties. Et pour ce jeune gardien, c'est incroyable. Il rassure, il remplace Müller quand même. Et il est très bon. Ma foi, sur les pénalties, c'est plus compliqué quand même. On peut bien sûr pas lui en vouloir, Vincent. Loretz, 19 ans, est né et formé à Lucerne.
Allez, on passe à la belle affiche de cette journée entre Bâle et Servette, deux équipes qui jouaient leur troisième match de la semaine. Les Grenats avaient l'occasion de réussir un 3 sur 3 au Parc Saint-Jacques et ils partent plutôt bien dans ce match-là, les hommes d'Alain Geiger. Dès la sixième minute, avec un débordement de Pfluquet qui voit Valls au deuxième poteau. Et ça, franchement, lancer le ciseau, c'est beau. Oh, c'est magnifique de le tenter. Valls a peu joué, hein, donc on pourrait croire que c'est un joueur en confiance et tout. Mais c'est bien de le tenter, il s'en est fallu de peu. Mais le centre de Pfluquet, une fois de plus, c'est magnifique. Et après, regardez ce geste, et ça part pas au troisième étage du Parc Saint-Jacques. Hein, ça frôle la transversale. Autre occasion pour les Servettiens qui sont bien dans ce début de match et ce contre, Johan, avec Crivelli qui se retrouve au duel avec Hitz. Il fait quasi tout juste, mais le portier fait un super arrêt. Oui, je pense que tout a été bien exécuté. C'était difficile de faire mieux pour Crivelli qui se retrouve sur son pied gauche. On voit que Hitz a juste la main qu'il faut pour mettre hors des buts. Et la troisième sera la bonne pour les Servettiens avec Pfluquet qui a trouvé le centre arrive sur Antounès. Adams qui manque son intervention, Johan. Oui, c'est de nouveau un même genre d'action, hein, action de rupture où c'est Antounès qui se trouve effectivement à la réception de ce centre magnifique, hein, d'Antounès. On voit quand même que de Pfluquet. On voit que Adams est un petit peu fautif. Il freine le ballon, ce qui a facilité aussi la réception d'Antounès. Alors on s'est attardé sur la fin de cette action, mais Claude, au départ de ce but servettien, il y a quelque chose que vous vouliez mettre en avant. Oui, c'est la magnifique passe de Séverin. On va voir, là, c'est une récupération servettienne. Et là, Séverin, il lève la tête et il va trouver Valls et il élimine six joueurs ballois avec cette passe. Valls, il fait le contrôle orienté dans le sens de marche. Et là, on voit les quatre Genevois qui se projettent très vite vers l'avant. Et après, Pfluquet à nouveau, magnifique centre. Et on va oublier l'erreur d'Adam, c'est Antounès qui se projette souvent dans la surface. Ils étaient trois Servettiens. Donc la première passe de Séverin, c'est ça qui déclenche le tout. Mais après, les Servettiens étaient bien dans l'état d'esprit parce qu'ils se sont projetés vers l'avant. Et cette action est magnifique. Et ce but servettien récompense ce bon début de match des Grenats. Les Ballois, eux, vont tenter de réagir tout de même dans cette première mi-temps avec Amdouni qui va frapper, sa frappe enroulée qui va passer de peu à côté. C'est un peu la seule occasion balloise, hein, de cette première mi-temps, Johan. Oui, c'est un tir lointain, donc ça prouve que Servette était bien en place, n'a pas trop reculé et a forcément gêné les Ballois dans le jeu. Les Ballois, ils ont dû s'en remettre à des tirs lointains, notamment de Zeki Amdouni qui excelle avec sa qualité de frappe. Deuxième mi-temps, on retrouve une équipe du FC Bâle transformée et l'égalisation. Novoa qui sert Diouf, la frappe est enroulée, bel arrêt de Frick. Amdouni qui suit bien. Ouais, c'est dur pour Frick, il fait un arrêt extraordinaire. Vous allez voir, retombant avec son pied, il la remet dans les pieds à Amdouni. Là, à ce moment-là, on voit pas bien sur cet angle, donc c'est vraiment pas de réussite parce qu'il avait fait un arrêt toute grande classe et malgré tout, ils prennent quand même le but. Et on peut pas en vouloir au défenseur parce qu'elle tape le poteau, elle est déviée par le pied de Frick, donc ils sont là. Mais voilà, Amdouni, c'était plus facile pour lui. Il n'y a quasiment que les Ballois dans cette seconde mi-temps et Frick qui fait un arrêt là face à Zekiri qui a énormément de réussite avec cette balle qui tombe sur la barre. Oui, on voit les intentions. Hein. Donc c'est clair que des fois, il faut avoir un peu de chance, comme l'a dit Claude sur l'action précédente, sur le 1-0. Mais là, ils se projettent aussi, hein, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus volontaires et ambitieux dans le jeu pour essayer de chercher le chaos. Et ils vont trouver l'ouverture avec Zekiri, servi par Amdouni qui a percuté. Zekiri qui fait le crochet et qui donne l'avantage à Bâle. Oui, et mérité à ce moment-là de la rencontre. Bâle était revenu avec des meilleures intentions. Servette a souffert, Servette a reculé par obligation, peut-être pas par volonté, parce que Bâle était meilleur. Et le but, j'ai envie de dire, il tombe logiquement à ce moment-là de la partie. Et encore une occasion baloise de mettre le 3-1 contre avec Zekiri qui va être bien bloqué. Amdouni. Et une fois de plus, le plus dangereux, il a fait un gros match, Zeki Amdouni. Oui, Zeki Amdouni, Zekiri aussi. Amdouni, il a quand même cette qualité d'arriver à se départir du marquage pour se mettre en position. C'est sa grosse qualité, ce contrôle. Et puis, justement, ce ballon, alors il est droitier, il tire du gauche aussi bien que du droit, mais il a quand même cette qualité pour se départir du marquage. 88e minute, on se dit que Servette va manquer la plus grosse occasion d'égaliser dans ce match avec Koutessa qui manque le cadre. Ouais, c'était bien joué de Bédiane, on a parlé. Il fixe les deux défenseurs. Il peut même égoïstement frapper. Cogna fait l'appel pour bloquer ses deux centraux. Et là, il est super. Il met un super ballon. Et Kuteza, là, je veux dire, c'est en fin de match, mais lui, il est frais. Hein, on attend mieux. On est dans les arrêts de jeu et cette scène qui va faire énormément réagir les Ballois, le public ballois, le staff, tout ce que vous voulez. La VAR qui intervient pour appeler M. Scherrer pour un penalty
Frey qui touche le ballon du Alors, très honnêtement, ça, on, personne n'avait vu, et même personne sur le terrain, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Servettiens qui lèvent la main pour réclamer un pénalty. La VAR l'a vu, et c'est vrai qu'en regardant les images, on voit quand même un coup de. Enfin, un geste du bras inopportun pour Frey, et donc ce qui est juste, il y a pénalty, et on joue la dernière minute. Et ce pénalty est tranquillement transformé par Bedia, qui a eu les nerfs solides. Oui, il faut les nerfs, il l'a mis proprement. Il avait aussi la fraîcheur, il est rentré, il était économisé aujourd'hui. Mais il faut la mettre parce que vous savez que c'est à balle, que vous repartez souvent sans rien. Et ce point, il fait du bien pour clôturer cette belle semaine genevoise. Ouais, il y en a un qui n'a pas eu les nerfs, c'est Fabien de Frey, hein, qui s'est fait expulser en fin de partie pour réclamation. Je crois qu'il ne s'est pas du tout remis de ce pénalty. Il y a encore Eko Fogel qui a dit toute la colère qu'il avait à M. Scherrer. Au final, Bâle fait une mi-temps. Et ils auraient pu repartir avec 3 points et au final, ce sera 1 point. Oui, de nouveau, la qualité individuelle des Ballois fait que même en jouant mal une mi-temps, vous arrivez à renverser le match. C'est un peu le cas aussi des fois de Young Boys, par exemple. Mais là, c'était trop peu. Finalement, le salaire est médiocre, surtout au niveau du classement. Hein. Vous faites un match nul à domicile, vous avancez peu. Et donc, la bonne opération est pour moi, pour les Servettiens ce soir. Ouais, Servette qui a, vous l'avez dit, hein, a une semaine anglaise. 2 victoires, 1 nul sur le terrain du FC Bâle. Le bilan, il est excellent. Oui, ils arrivent à garder ces 4 points d'avance, la deuxième place. C'est important dans la Bâle. On s'est dit peut-être qu'il y aura un peu moins d'avance. Mais ils se sont donné les moyens d'avoir un joker, entre guillemets. On a gagné ce match à Winterthur qui était difficile, mais ils ont passé l'épaule aussi avec beaucoup de caractère. Donc Servette a ces 4 points d'avance. Maintenant, ils vont pouvoir gérer. Pour moi, ils doivent finir deuxième de ce championnat. Wakbal n'est pas au mieux par rapport à Saint-Gall et aux équipes qui viennent derrière. Tout le monde perd des points. Aujourd'hui, il n'y a eu quasiment que des matchs nuls. Donc Servette doit continuer. Par le passé, le contingent était court. Ils ont souvent perdu des points en fin de match et on le regrettait. Là, si c'est eux qui peuvent prendre des points en fin de match, eh ben, il faut en profiter. Il y en a qui est certainement tout content d'avoir profité de cette situation. C'est Jérémy Frick qu'on va retrouver à l'interview. Jérémy Frick, c'était vraiment une fin de match complètement folle. On va dire un match finalement un peu complètement fou avec deux visages des deux équipes. Une première mi-temps très bien négociée par Servette. Une deuxième, on va le dire, surtout dans le premier quart d'heure, hein, un peu moins bien. Et puis ce point qui tombe, on va dire, un petit peu de n'importe où. Vous vous êtes accroché, vous avez eu raison. Ouais, n'importe où, je ne suis pas d'accord. À la fin, quand ils ont marqué 2-1, ils ont pu vraiment pousser. Ils ont eu quelques occasions et ensuite, quand ils ont vu que ça rentrait pas, ils ont aussi reculé, ils ont laissé jouer, ils ont voulu perdre du temps et puis nous on y a cru crânement, on a joué notre 22 à la fin du match, penalty sévère, cette règle est compliquée, super que ce soit pour nous, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça tue un peu le football, mais on va pas cracher dessus, voilà, quand ça nous arrive on est très content, mais voilà, le point, je pense pas qu'il ait mérité en soi. Non, le point, il n'a pas immérité, surtout qu'on pouvait penser à mieux pour Servette, surtout après la première mi-temps. Puis il y a eu ce premier quart d'heure de la deuxième qui a un petit peu tout flingué, si j'ose dire. Comment vous l'expliquez? Je pense que depuis un petit moment, Servette, on a un peu de la peine à rentrer dans nos deuxièmes périodes. C'est un petit peu un fantôme qui plane un petit peu sur nos têtes. J'ai l'impression que c'est 15 premières minutes de la seconde période en ce moment. On en parle à la mi-temps, peut-être qu'on devrait justement peut-être pas en parler. C'est ça la solution. Et derrière, bah voilà, Bâle aussi est venu avec un visage sur cette deuxième mi-temps, qui a attaqué face à son public, et un peu de réussite, je pense, sur ce premier but. Le poteau peut aussi être sortant. Il revient dans les pieds d'attaquant. Voilà, c'était compliqué. Et derrière, quand tu prends ce but, c'est peut-être un petit peu de perte de confiance. Mais on y a cru jusqu'au bout. Bâle a aussi fait un bon match, il ne faut pas se mentir. Ils ont aussi eu, première mi-temps, je crois, presque 60%, 65% de la balle. Donc voilà, peut-être que tout ça, on a beaucoup couru sans le ballon et c'était le temps qu'il fallait pour revenir dans ce match, malheureusement. Ça tue le football, mais il prend volontiers le point, Jérémy Frick. On est assez d'accord, c'est chaque week-end, ces histoires de VAR. Ma foi, Johan, on doit faire avec, c'est le foot moderne. Oui, on n'est pas fan, hein, vous le savez assez. Tous les consultants anciens joueurs ne sont pas vraiment fans de ces retours et ces arrêts du match pour faire des zooms et puis des analyses vidéo. Maintenant, il faut s'y faire. C'est vrai qu'en l'occurrence, Servette, on l'a dit, hein, plusieurs fois, ils ont été... ils se sont sentis lésés, ce coup-ci, c'est en leur faveur. Et puis, il faut prendre ce point avec philosophie, comme le fait Frick. Parfois, ça répare des vraies erreurs, hein, parce qu'en première mi-temps, il y a une main de Séverin qui est sifflée par M. Scherrer, et en fait, on se rend compte que c'était le visage qui avait été touché. Oui, effectivement, c'était un deuxième mi-temps. La VAR a corrigé, donc c'est à ça qu'elle doit servir à la base. Mais voilà. Pour le reste, comme dit Johan, c'est plus compliqué, mais on commence à s'y faire, c'est ce qui m'inquiète. Si on commence à s'y faire à cette situation, ça ne nous choque même plus, c'est pas bon pour le foot. Quoi.
Réaction baloise maintenant au micro de Stéphane Amoroso. Andy Zakiri, on imagine que c'est quand même un peu les montagnes russes, une grande déception aujourd'hui pour le FC Bâle qui tenait ce 2-1, puis finalement il y a ce pénalty qui arrive un peu de nulle part pour le FC Bâle qui vous prive d'une victoire. Comment vous analysez cette partie? Ouais, voilà, on a entamé ce match bien. Après voilà, on est tombé sur une bonne équipe de Servette ce soir. Voilà, à la mi-temps, on s'est dit les choses. On a su renverser le match. Après, à la fin, on n'a pas eu de chance avec ce penalty. Faudra voir sur les vidéos. Malheureusement, voilà, faut faire avec et faut penser au prochain match. Vous avez dit qu'à la mi-temps, vous vous êtes dit des choses. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Parce qu'on a quand même vu deux visages complètement différents du FC Bâle aujourd'hui. Non, on a en parlé, on a essayé de corriger les fautes qu'on a fait en première mi-temps et on les a mis en deuxième. Et voilà, ça a bien marché, il faut qu'on continue à bosser. Et il y a le prochain match qu'on doit être focus pour le gagner. Il faut retourner au travail, beaucoup de frustration quand même dans les rangs balois. La preuve avec ce carton rouge de Fabian Frey, son premier en 404 matchs de Super League, vous dire que c'est rare. Allez, on passe au derby de la Limat entre Getse et Zurich. Zurich qui avait l'opportunité en cas de victoire de passer devant Winterthur et devant Sion et surtout de quitter cette place de barragiste. On rentre dans cette partie avec là aussi une situation dans les 16 mètres, un long ballon vers Dadashev, Katic qui l'accroche, pénalty sifflé par M. Schneider. Claude, pénalty me semble-t-il logique. Oui, on voit qu'il le ceinture, qu'il l'accroche un petit peu. Après, c'est Dadashev, hein. Dadashev, on sait qu'il n'a pas besoin d'en faire plus, mais là quand même, sur ce coup-là, je l'ai vu à Genève où il est tombé 6 fois pour rien. Là, cette fois, il y a quand même un accrochage, l'attaquant a de l'avance sur le défenseur, c'est pénalty. Dadashev qui a laissé personne d'autre hein, prendre le ballon, il se fait justice lui-même, Yohann. Oui, avec sang-froid, il se fait justice lui-même. On connaît le garçon, hein, il a énormément de confiance. Il est aussi imprévisible, hein. Il n'a pas fait que des bons matchs, mais là, il était plutôt dans un bon jour. Getse mène au score et en seconde période, eh bien, c'est le FCZ qu'on va beaucoup plus voir à l'œuvre. Boranyazevic sur le côté, un centre vers Okita. Okita qui remet devant le but et Tuzin qui surgit, pas en position d'enjeu. Non, il surprend tout le monde parce qu'il arrive de derrière, les défenseurs ne l'ont pas vu venir. Peut-être que Moreira, je veux revoir le penalty, il aurait peut-être pu anticiper, mais les défenseurs ne peuvent pas le voir, si ce n'est celui qui le laisse partir. Après, tout ouais, au touché. C'est Abrashi, ouais. Abrashi, ouais, qui le laisse. Et lui, il avait le visu, il aurait pu aller. Et après, tout au touché, c'est juste ce qu'il faut. Okita, Tuzin, on va aller retrouver pour le FCZ. Cette fois, c'est, enfin, une fois de plus, hein, Okita qui centre vers Tuzin. Et les deux qui vont renverser Getse et donner cet avantage au FCZ dans ce derby de la Limat. Le FCZ qui n'avait pour l'instant gagné aucun derby zurichois et qui là prend les devants. Oui, c'est assez mérité. Cette équipe de Zurich a le don, depuis l'arrivée peut-être de Bo Eriksen, de renverser la vapeur. Donc ça montre aussi des qualités de caractère, hein, d'amour-propre de la part des Zurichois qui n'étaient pas servis par la chance en début de saison. Là, ils renversent la vapeur. Zurich qui a un peu de chance. Alors juste préciser ce que j'ai dit avant, hein. Le FC Zurich n'a gagné aucun derby zurichois cette saison face à Winterthur et face à Getse. Parce que dans l'histoire, il y en a eu tellement des derbys entre Zurich et Getse. La saison dernière, ils en ont gagné. Beaucoup de chance pour le FCZ avec cette main qui aurait quand même pu être sifflée main de Cambéry. Non. Pour moi, non. Mais, très bien, mais sur ce qu'on a vu sur ces deux jours, elle aurait dû être sifflée si on veut être cohérent. C'est ça mon point de vue, mais tant mieux si elle n'est pas sifflée. Bah, c'est pas le cas sur ce coup-là et le FCZ s'en sort bien. Interview avec Tuzin. Aïgou Tuzin, ce derby de la Limat a été renversant. C'est toujours bien de gagner un derby. Vous savez, on est en bas du tableau, mais ça fait mal, mais on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ça a payé. Vous êtes sur une très belle série. Comment vous l'expliquez, ce succès? Parce qu'on a beaucoup travaillé, on travaille ensemble, et puis on se soutient, et puis on aide un peu, et ça a payé aujourd'hui. Vous êtes double buteur? Expliquez-nous votre match. Non, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de marquer. Mais sans mes coéquipiers, je ne peux pas marquer. Donc, je suis vraiment content pour ça. Allez, on récapitule les résultats de cette 21e journée avec le nul entre IB et Lugano. Un partout aussi hier soir entre Winterthur et Sion. Les nuls, il y en a encore avec 2-2 entre Saint-Gall et Lucerne, tout comme entre Bâle et Servette. Et l'unique victoire dans cette journée acquise dans le derby de la Limat par le FC Zurich face à Getse. Au classement, il y a un seul mouvement, c'est les Zurichois qui montent au 8e rang et qui passent Winterthur et Sion, qui laissent donc cette lanterne rouge. Sinon, c'est statu quo pour le haut, IB toujours largement en tête.
Petit passage par la Challenge League, le LS recevait Bellinzone aujourd'hui avec l'objectif de rester au contact du duo de tête Ville et Yverdon. C'était le dernier match de la 22e journée. Des Vaudois qui vont faire la course en tête. Action sur la gauche avec Archie Brown qui s'y engouffre. Il glisse le ballon à Schwitzer qu'il dépose sur la tête de Brighton Labo. 15e but. Pour ne pas avoir su se mettre à l'abri, les Vaudois vont être punis. À un peu plus de 10 minutes du terme, c'est Cortelletti qui égalise dans un magnifique retourné. Coup d'arrêt pour les hommes de Ludovic Magnin qui ne recollent pas sur le duo de tête. Les autres résultats de cette journée en Challenge League, le nul un partout entre Thun et le Slow hier, tout comme entre Chafouz et Haro. Je ne sais pas ce que vous voulez me montrer, Claude. Il n'y a que des nuls, sauf Ville, qui fait la bonne opération de la journée, comme en Super League. Voilà. Exactement, et Ville au classement, vous allez le voir, qui prend la tête. Merci Claude Grosse. Ville 44 points, Yverdon 42, et Lausanne qui n'a pas réussi à revenir sur les Yverdonnois. Vous aimez Forum et Infrarouge, mais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de football dedans, ça tombe bien. Match après match vous attend avec vous, Daniel Romano. On va parler de football, mais dans une ambiance un peu plus calme quand même. Ouais, on n'est pas convaincu que ce sera très calme. On a Alain Rohrbach, on a Fontain Moreno, on a Steve Guillot qui seront là. Donc, à mon avis, ce sera assez animé. Comme débat, on va parler du PSG, forcément. Semaine très compliquée, très mouvementée pour les Parisiens après leur défaite de mardi en Champions League contre le Bayern. Il y a ensuite eu voilà, tout ce qui est sorti derrière avec Neymar qui aime jouer au poker, qui aime aussi manger des hamburgers. Un peu comme nous, un peu comme vous aussi peut-être, Vincent. Voilà aussi un petit peu du FC Sion de Servette. Soyez au rendez-vous, 19h30 pour match après match. Poker, hamburger, mes deux passions. Votre prochain rendez-vous sur Blue Sport, c'est mardi avec les huitièmes de finale aller de la Champions League et ce gros match entre Liverpool pardon, et le Real Madrid. C'était un plaisir de passer cette journée en compagnie de Claude Grosse. De partager, merci et à vous. De Yann. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Bye bye.